Alors, je vais maintenant faire un essai comparé entre ce nouvel aspirateur Dream Xiaomi V9P et mon ancien. Pour cela, j'ai préparé toutes sortes de saletés, gros pavots, des cheveux, sur du carrelage et de la farine et des petits copeaux sur un tapis. On verra ce que ça va donner. Les deux sont vides et nettoyés pour le moment. On notera qu'actuellement, il est presque chargé. Troisième LED clignote pour dire qu'on est en fin de chargement. Et on voit également le support mural qui pour le moment est plutôt au mural mais sur le sol avec les différents rangements pour les trois autres brosses. Les essais seront en vitesse 2 et si besoin en vitesse 3. Voilà, donc je mets en vitesse 2 et on va essayer d'aspirer tout ça. La paille. C'est aspiré plutôt bien, il en reste encore un petit peu. La farine s'est aspirée plus que bien. Maintenant, les plus gros morceaux, cheveux et autres plastiques. Exprès collé au sol qui n'ont pas été extraits et beaucoup de cheveux qui sont si j'arrête pas d'appuyer ce bouton ça va pas faire donc des cheveux qui sont restés bloqués. On avait le même problème mais en pire sur l'autre aspirateur. D'ailleurs je vais mettre en vitesse 3, on va voir ce que ça va donner. Des traces incrustées, ça s'enlève pas, et pour ce qui est des poils dans la brosse, ça s'enlève pas aussi. On va maintenant regarder l'état des filtres. Donc déjà on peut voir ici que c'est bien plein dans le bac à poussière. Donc, je rouvre tout ça. Ça va servir pour tout à l'heure pour l'autre essai. On va regarder l'état du filtre. Donc comme on le voit, le filtre est absolument nickel. Donc visiblement l'effet cyclone fonctionne super bien. Il n'y a pas la moindre saleté dessus. Et on va démonter. Faut que tu refermes le strap avant. L'autre partie, comme on peut le voir, il n'y a pas de poussière non plus dedans. Maintenant, nettoyage de la brosse. Comme on peut le voir, il n'y a pas de souci, il suffit d'enlever ce qui est resté coincé là et le reste est très propre. Pas de souci, de nettoyage, c'est reparti pour un tour. On va maintenant faire l'essai avec lui. Je vais donc remettre des petits copeaux. Et on est reparti.
en vitesse 1. J'ai même mis en vitesse 2 tellement vous avez du mal, mais bon, on voit que la route est correcte. Un peu plus de mal également, et on voit également que le bruit est plus fort. On passe à la suite. C'est nettoyé à peu près correctement en vitesse 2. On va voir l'état des filtres. Ce qui est le plus chiant de cet appareil. Dans le premier compartiment, on a bien une bonne partie de la saleté. Par contre, comme on peut le voir, le filtre est déjà bien saturé, puisqu'il n'a pas d'effet cyclone, et ça, c'est super chiant à nettoyer. Pour ce qui est des brosses, c'est pareil, il faut complètement démonter les brosses de celui-ci et couper, parce que les cheveux sont bien emmêlés et ça s'en mêle bien de chaque côté, vous devez connaître ça, dans les paliers. Conclusion, et bien je crois que ce sera bien plus pratique avec le nouvel aspirateur, et celui-là sera plus un aspirateur secondaire. Allez, ciao !